édition spéciale du guérisseur bien-aimé. Édition spéciale. Édition spéciale. Par milliers, ils cherchent la guérison chez Gröning. Édition spéciale, les tout derniers événements. Édition spéciale, les derniers événements à propos de Bruno Gröning. Édition spéciale, Gröning, le guérisseur miraculeux. Des milliers de gens cherchent son aide. Tout sur Bruno Gröning. Édition spéciale, la nuit des grandes guérisons. Un journal, je vous prie. Merci. Édition spéciale. Ces derniers temps, on parle de plus en plus de ce Gröning. J'aimerais quand même savoir ce qu'il en est de ces histoires du miracle. Bah, ce que cela peut être. Ce ne sont que des bêtises. Ce Gröning est un charlatan. Il profite seulement de la crédulité des gens. Et en plus, guérisseur miraculeux, laissez-moi rire. Mais tu ne connais même pas cet homme. Je peux m'imaginer que quelqu'un possède une force extraordinaire capable de produire des guérisons. Mais tais-toi donc. Tu ne crois tout de même pas à ces absurdités. Je trouve qu'elle a raison. Tant qu'on ne connaît pas l'affaire, on ne devrait pas se permettre de juger. En plus, il a l'air gentil. De toute façon, quoi qu'il en soit, il est temps de faire un peu la lumière sur cette affaire. Il faudrait que quelqu'un se donne la peine d'étudier de manière approfondie ce Gröning et ses soi-disant guérisons. Qui sait tout ce qu'il pourrait en ressortir. Édition spéciale, des milliers de gens cherchent son aide. Édition spéciale, édition spéciale. Mars 1949. Les articles de presse foisonnent. Une petite ville de Westphalie se trouve soudain projetée au centre de l'actualité. Un soi-disant guérisseur miraculeux y fait parler de lui. Des foules de plus en plus grandes se rassemblent devant la maison de la famille Hülsmann sur la place Wilhelm à Erfurt. Les gens veulent voir un certain Gröning qui est censé avoir guéri un jeune garçon gravement malade. Certains viennent par curiosité. Mais la plupart espèrent obtenir aide et guérison de la part d'un homme qui était totalement inconnu jusqu'à ce jour. Tous sont surpris par ce phénomène.
Seul Gröning lui-même semblait avoir prévu cela depuis des années. Puis une nuit, il m'a soudain raconté tout ce qu'il ferait un jour. Que des milliers de personnes viendraient à lui, qu'il guérirait, que des scientifiques viendraient. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai dit « Bon, maintenant, ça suffit. N'exagère pas. » Puis, il m'a dit que je serais auprès de lui et qu'il aurait besoin de moi. Un jour, il avait disparu. Il était parti et sa femme était naturellement complètement désemparée. Plus rien. Il n'était plus là. Alors, je me suis rendu dans ce bureau de réfugiés, dans ce débit de tabac. Et là, le vendeur me dit « Vous avez vu le journal, le nouveau ?» Je ne sais pas si c'était Quick ou Revue qu'il avait à l'époque, je ne sais plus. Il a dit « Là, regardez en première page, le docteur miracle de Herford. » C'était le premier reportage sur l'affaire Hulsmann à Herford. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai trouvé une lettre disant qu'il avait besoin de moi et que je devais venir. Je suis donc allé à Herford, et là on était déjà en plein boom, si je puis dire. Il y avait des centaines de gens devant la maison et j'ai sonné. Tout était fermé à double tour. On ne laissait entrer personne. Alors, un de ses collaborateurs, Egon Arthur Schmidt, est venu et il m'a fait entrer. « Eh bien, M. Gröning vous attend, dit-il. » Et je suis entré, mais il n'était pas là. Il était quelque part en Rhénanie, à Virzin, je crois, ou par là-bas, si je me souviens bien. Mais derrière, dans la cour, il y avait des malades. « Im Hof hinten waren aber Kranke und plötzlich... » Et soudain, les guérisons ont commencé dans la cour, où il ne se trouvait même pas. Plus tard, nous avons fait le rapprochement qu'au moment où il était à Virzin, où il a guéri des personnes, les guérisons ont eu lieu aussi à Herford. J'étais très impressionné, à tel point que j'en avais les larmes aux yeux. C'était si impressionnant pour moi. Un peu après, il est entré en disant « Alors, qu'est-ce que j'avais dit ?» Tout a commencé comme ceci. Bruno Gröning s'était occupé du fils des Hulsmann, qui était gravement malade. Il l'avait invité chez eux après avoir entendu parler par une connaissance de la force très particulière dont il faisait preuve. Il souffrait d'une dystrophie musculaire progressive, restait couché et n'était plus capable de se lever. C'est ce que j'avais appris par les parents et c'est ce qui se disait généralement. Selon le rapport, Bruno est venu et a dit « Lève-toi » et l'enfant s'est levé. Puis il s'est mis à marcher, bien sûr un peu maladroitement, mais il s'est mis à marcher. C'était un fait incontestable. Alors voilà, ce fut le véritable coup d'envoi de toute l'histoire. Ça a commencé par là. Je n'étais pas chez lui au moment de la guérison, mais ensuite j'ai habité chez les Hulsmann. Im Haus und wir haben dann also. Puis, dans la mesure du possible, nous avons essayé de nous organiser. Mais l'essentiel, c'était de maintenir les gens hors de la maison. Car bien sûr, ils se pressaient tous pour le voir personnellement. Mais ceci n'était déjà presque plus possible, n'est-ce pas? Georg Novak était l'une des personnes en quête de guérison. Depuis 4 ans, il souffrait de maux de tête continuels. Ni le traitement d'un neurologue, ni un séjour de plusieurs mois à l'hôpital ne lui avait apporté un soulagement durable. Il était considéré comme incurable. J'avais des maux de tête insupportables jour et nuit. À vrai dire, ça ne s'arrêtait jamais. Et après, je ne pouvais même plus marcher correctement. Et puis, mes collègues m'ont dit « Hé, mon gars Gröning est là, c'était un guérisseur miraculeux. Va donc le voir. » Alors je me suis dit « Sapristi, un médecin de ce grand hôpital de Hanovre ne peut rien faire. Et maintenant, aller chez ce Gröning, c'est vraiment ridicule. Je n'ai pas du tout envie d'y aller. » Oh, dit-il, mais il y a des milliers de gens, c'est noir de monde partout, tout est plein. Vas-y donc, il ne faut pas être gêné, va donc là-bas. Personne ne parlait, tous étaient muets, silencieux, et nous attendions que M. Gröning apparaisse sur le balcon. Entre-temps, on entendait toujours le carillon de l'église qui était proche. Les cloches sonnaient, et ainsi nous savions toujours quelle heure il était.
Und am Abend erschien ein Mann. Et le soir, un homme est apparu sur le balcon. Mais ce n'était pas Monsieur Gröning, c'était quelqu'un d'autre. Et il nous a expliqué que nous devions encore prendre patience et attendre Bruno Gröning. Il n'était pas là, il était auprès de très grands malades. Prenez patience, c'est sûr qu'il viendra. Stimmt. Und keiner sagte wieder was. Et de nouveau, personne ne parlait. L'homme est reparti et nous avons attendu 3 jours et 3 nuits. 3 Tage und 3 Nächte. Und dann ist der Bruno erschienen. Und als er auf Puis Bruno est apparu. Et lorsqu'il est venu sur le balcon, je ne sais pas comment décrire cela. Il y a eu de l'agitation. Il était là maintenant. Quelle tension! Puis il a dit, vous qui cherchez de l'aide, vous qui cherchez la guérison, vous les paralysés, levez-vous, vous pouvez marcher. Il ne faut pas rester assis dans votre fauteuil roulant, vous pouvez marcher. Aber es stand keiner auf und alle waren noch, vielleicht... Mais personne ne s'est levé. Tous étaient peut-être encore dans le doute. Alors il a répété en tendant les mains, levez-vous, vous les paralysés, vous pouvez marcher. Et alors ils se sont levés. J'étais décontenancée en voyant cela. Je n'étais pas la seule à pleurer, les autres aussi. Quand vous avez vu les gens se lever lorsque Gröning leur a parlé, ou seulement du fait de sa présence, et quand il a dit « Maintenant, levez-vous », et que les gens se sont levés, ou bien quand des gens qui marchaient avec des béquilles les ont jetés et se sont mis à marcher, alors vous ne pouviez plus considérer un tel homme comme un charlatan. De plus en plus de gens témoignent de guérisons extraordinaires que l'on attribue à Bruno Gröning. Même des malades jugés incurables par des médecins ne jurent que par sa force exceptionnelle. Toutefois, apparemment, Gröning ne fait que parler aux malades, ce qui rend la chose encore plus étrange. Un reporter de la Süddeutsche Sonntagspost rapporte « Je n'en reviens pas. Bruno Gröning guérit des paralysés, des aveugles, des muets. L'un des plus grands phénomènes de notre siècle. » C'est l'opinion concordante de nombreux experts au sujet du cas Gröning. J'étais jeune, j'avais 18 ans et j'avais toujours mal au dos. À vrai dire, j'avais déjà ces douleurs dans le dos quand j'étais petite. Et par la suite, ça a empiré, parce que dans ma profession, j'étais toujours debout. Alors j'ai entendu parler de Bruno Gröning et j'ai pensé, maintenant, tu vas voir par toi-même. Soudain, un murmure parcourt la foule présente et les gens disent « Gröning arrive, voilà Gröning !» Mais on ne voit personne, dis-je. « Si, si, il est là tout au fond. » C'était à 100 mètres de là. Je me tenais là et je pensais « Bon, Bruno Gröning, si tu es donc ce grand guérisseur, alors aide-moi, j'aimerais être débarrassé de mon mal de dos. » Je n'ai rien pensé d'autre. Alors je l'ai entendu parler de loin, mais je n'ai pas compris les paroles. Je ne pouvais pas les entendre. Mais il s'est passé quelque chose en moi. J'ai remarqué que, à ce moment-là, j'ai pensé, si, il peut quand même t'aider. C'était comme un courant. Je l'ai senti jusque dans le petit orteil. Ça a traversé mon corps comme un courant. Soudain, quelque chose a commencé dans ma tête, comme quand on accroche un bas avec une maille file. C'est passé dans ma colonne vertébrale, puis plus bas, et c'est descendu dans les jambes, dans les bras et dans les doigts. Et depuis lors, j'étais soulagé. Et je me suis dit, comme tu te sens bien. Une bonne demi-heure après, je suis partie à bicyclette à Bad Oeynhausen. C'est à une bonne vingtaine de kilomètres. Puis à la maison, ce qui faisait encore un bon bout, et mes douleurs dorsales avaient disparu. Alors je suis partie en courant et j'ai fait des sauts de cabri, comme on disait jadis. Et je n'arrêtais pas de répéter « je suis guéri, n'est-ce pas ?» Et tout est parti, j'ai chanté, j'ai dit « ça alors c'est extraordinaire, tu ne t'es encore jamais senti comme ça aussi bien. » Alors je suis arrivé chez mes collègues qui m'attendaient déjà. « Comment ça va alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit « je suis guéri, je n'ai plus mal à la tête. » »« C'est quand même pas possible, c'est pas vrai. » J'ai dit « alors vous m'avez toujours dit d'y aller, maintenant c'est vrai, vous pouvez me croire, c'est vrai. » Maintenant c'est vrai.
Alors tous les jours, ils m'ont demandé, as-tu encore mal à la tête? Non, ils ont bien vu quand je me baissais qu'alors je ne transpirais plus, n'est-ce pas? Non, c'était parti, et depuis je n'ai plus eu de maux de tête jusqu'à ce jour. Maintenant j'ai 80 ans et toujours rien. Je suis arrivée à la maison. Mon père et mon premier mari, avec qui j'avais déjà à l'époque des liens étroits, étaient en train de jouer aux échecs. Ma mère est venue tout de suite parce que je n'étais pas rentrée à l'heure dite, évidemment, mais un peu plus tard. À l'époque, on n'avait pas encore le téléphone, ni tout cela, et j'étais tout excitée. Il le sentait bien. Und war aufgeregt. Sie spürten das wohl. Also meine Mutter sagt, du hast geglüht, als du reinkamst. Ma mère m'a dit, tu étais toute rouge en entrant. Après, bien sûr, nous en avons parlé, et je lui ai dit, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Tous les trois, ils m'ont seulement regardé et j'ai raconté l'histoire telle que je la raconte maintenant. À ce moment-là, mon mari de l'époque, mon premier mari, a dit « Bah, ce ne sont que des bêtises ». Alors j'ai vraiment senti la colère monter en moi, mais je n'ai rien dit. Je me suis retournée et je suis sortie en pensant « Il a tort, mes douleurs dorsales ont disparu ». Meine Rückenschmerzen sind weg. Als Dankeschön habe ich ihn. Pour le remercier, je lui apportais de la nourriture. Tous les jours, il recevait du courrier par sac entier. Ils étaient posés devant son entrée et je déposais la nourriture à côté, du café, du beurre, du saucisson, etc. Café, und Butter, und Wurst, und so weiter. In Herford fing es langsam an. À Herford, le courrier commençait à arriver par sacs entiers et nous n'étions absolument pas en mesure d'ouvrir ses lettres ni d'y répondre. C'était exclu. Il n'y avait pas de personnel pour ça. On n'était vraiment pas en mesure de le faire. Elles furent emballées dans des sacs, posées dans un coin comme ça, et il n'était pas possible de s'occuper de ces lettres en détail. De toute l'Allemagne, on adresse des lettres de demande à Gröning, et même de l'étranger. Le flot de personnes en quête de guérison n'en finit pas. Oui, en 1943, j'ai été blessé à bord d'un sous-marin. L'articulation de mon coude gauche a été détruite et j'ai été transporté à l'hôpital militaire de la marine à Stralsund, où j'ai été opéré. Après l'opération, on a constaté que le bras ne pouvait plus bouger. Il gardait un certain angle. On a essayé de le redresser avec un sac de sable. Mit einem Sandsack den Arm zu strecken. Durch den versteiften Arm wurde ich U-Boots. À cause de mon bras raide, j'ai été déclaré inapte pour le service en sous-marin. C'est resté comme ça jusqu'en 1949. On ne me connaissait pas autrement. Souvent, on ne m'appelait plus que le manchot, parce qu'on aurait dit que je portais une prothèse du côté gauche. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht. Un cousin de ma femme m'a parlé de Bruno Gröning, et il m'a dit d'aller le voir, ce Gröning, pour mon bien. Et il m'a même emmené là-bas. Er brachte mich auch dorthin. Gröning betrat den Raum. Er war kleiner, als ich mir vorgestellt hatte. Gröning est entré dans la pièce. Il était plus petit que je ne me l'étais représenté. Et il nous a fait un petit discours à tendance religieuse en insistant sans cesse sur le fait que Dieu lui avait donné la force d'aider. Puis, après avoir parlé environ un quart d'heure, 20 minutes, il nous a demandé si nous ressentions quelque chose. Malheureusement, j'ai dû dire que non. Les deux autres messieurs, eux, avaient ressenti quelque chose. L'un à la jambe, l'autre au cou. Die anderen Herren, zwei waren es wohl, die hatten etwas gespürt, der eine am Bein, der andere am Hals. Und ich habe dann das Haus Hülsmann verlassen. Ensuite, j'ai quitté la maison Hülsmann, non sans avoir été invité par Gröning, à me manifester à nouveau. Je suis alors rentré à la maison, je suis entré par le bas. Et je m'y sentais moins observé. C'est pourquoi je suis passé par la cave et non pas par la porte d'entrée. Là, j'ai essayé d'étendre mon bras qui était comme cela depuis des années et il s'est étendu. Zu machen und er wurde gerade. Und habe dann nur geschrien. Alors je n'ai pu que crier, je peux le bouger, je peux le bouger. J'ai alors monté les deux escaliers jusqu'à la porte du couloir. J'ai tambouriné avec ma main droite contre la vitre. Je n'ai pas fait attention du tout à la sonnette. Mais j'ai simplement tambouriné à la vitre tout en criant « Je peux le bouger, je peux le bouger !»
Natürlich war sehr kritisch. Naturellement, j'étais très critique. Je ne savais pas dans quelle catégorie classer cela, selon mes connaissances. Hypnose, suggestion, n'est-ce pas? Je pensais bien à différentes catégories. Il devait bien y en avoir une où classer cela. Mais ça n'allait nulle part. C'était justement quelque chose de tout à fait différent, que je n'avais jamais vu auparavant et que je ne pouvais pas classifier. Ça n'était pas possible. Tu vas nicht drin? Man konnte sich das nicht erklären. On ne pouvait pas s'expliquer cela. Quand on a vu une personne pendant des années avec un bras bloqué, la voir tout à coup bouger son bras suscite tout naturellement la question « Comment cela se fait-il ?» À vrai dire, j'ai par la suite toujours pris le parti de Gröning et j'ai dit qu'avant je n'aurais pas cru cela, mais que grâce à ma propre guérison, j'ai été convaincu qu'il avait pu faire ce que même les médecins n'avaient pas pu réaliser pour moi. Was eben die Mediziner nicht geschafft haben bei mir. Friedrich Senzmeier souffrait d'une inflammation chronique du nerf sciatique. Il avait de violentes douleurs depuis des mois. Finalement, il ne pouvait plus marcher qu'avec une canne et il est devenu inapte au travail. Les médecins ne savaient que faire et déclarèrent qu'il s'agissait d'une paralysie définitive. Son gendre se souvient. Die Behandlung hat natürlich sich über zwei Monate hingezogen. Le traitement s'était étalé sur deux mois. Mais sans aucune amélioration. Jusqu'au moment où il a simplement dit qu'il ne pouvait plus marcher. Nous avons été surpris, évidemment, mais le médecin n'a pas pu nous dire non plus ce qui allait se passer, ni ce qu'il en était vraiment. Monsieur Jakschitz se rend à la place Wilhelm, à Erfurt, avec son beau-père. Bruno Gröning s'adresse à nouveau aux personnes en quête de guérison. En fait, il ne reste là qu'une demi-heure. Friedrich Senzmeier considère tout cela comme de la charlatanerie. Oui, le lendemain, lorsque je suis rentré à la maison, ma femme m'a dit « J'ai une surprise pour toi ». Je lui dis « Qu'est-ce qui s'est donc passé ?»« Eh bien, ton beau-père est dans le jardin en train de bêcher. » Dis donc, tu dérailles, lui dis-je. Bien sûr, je ne parlais pas sérieusement. Mais hier encore, il était mourant. Mais va donc voir. Je ne voulais pas le croire, mais il était vraiment en train de bêcher. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tomber malade. Non, dit-il, tu vois bien que je bêche, j'ai pas de douleur. Je lui dis, papy, tu veux nous faire croire ça? Ou qu'est-ce que tu t'imagines? Puisque je te le dis, je n'ai pas ma canne. Elle est où? Eh bien, à la cuisine. Comment es-tu sorti? Ben, dit-il, je suis allé dans le jardin comme ça, j'ai pris ma bêche et je me suis mis à creuser. Ce que je voulais maintenant savoir absolument, c'était si ça allait durer ou pas. Et environ trois mois après, toujours rien, rien du tout. Et il a recommencé à travailler. Là, j'ai pensé, c'est pas possible. La ruée vers Bruno Gröning s'amplifie sans cesse. Beaucoup voient en lui un nouveau messie. D'autres le prennent pour un charlatan. C'est surtout le corps médical qui se montre plus que sceptique vis-à-vis du phénomène Gröning. Mon père était médecin. Parmi mes amis et dans mon entourage, il y avait beaucoup de fils de médecins. Et à la maison, ça discutait ferme au sujet du charlatan. C'est évident, médecine classique contre guérison miraculeuse. Ça ne peut pas marcher. Mais je suis souvent allé avec lui sur la place Wilhelm. On y rencontrait de très nombreux médecins qui observaient et qui prenaient acte en hochant la tête, naturellement, avec une certaine incompréhension et peut-être aussi avec un peu de jalousie face à la concurrence. Ainsi, nous rencontrions de nombreux fils, mes copains donc, avec leur père. Et je ne peux pas le nier, il y avait beaucoup de médecins qui discutaient, mais dans un esprit de refus absolu. Il n'y avait pas la moindre étincelle de compréhension dans leur attitude. Aber auch nicht so ein Fünkchen Verständnis da. Le corps médical fait pression sur la ville. Sur ce, le 3 mai 1949, le maire prononce à l'égard de Bruno Gröning une interdiction provisoire de guérir. Peu à peu, la confusion autour du soi-disant guérisseur miraculeux s'accentue. Lui, de son côté, va consulter entre autres l'inspecteur ecclésiastique Kunst pour discuter avec lui de la situation. Il attend de lui un soutien. J'ai eu avec lui en tout, je crois, 4 entretiens assez longs. Je ne l'ai pas considéré comme un charlatan, mais comme un homme sérieux.
Il ne faisait aucun doute pour moi qu'il émanait de lui des forces qui avaient pour effet de guérir l'être humain. Ce qui était déterminant pour moi dans de telles choses, c'est que Dieu a de nombreuses façons d'aider les hommes. Le 13 mai 1949 a lieu une conférence de la municipalité de Hereford et une commission de médecins, d'examinateurs et de contrôle est désignée pour délibérer du cas Gröning. Le premier magistrat de la ville, Meister, l'inspecteur ecclésiastique, Kunst, et des médecins éminents sont présents. Le ton de la discussion était loin d'être cordial. Naturellement, ces messieurs étaient extrêmement méfiants. Nous nous sommes séparés et ensuite la ville a agi comme elle croyait devoir le faire. L'interdiction absolue de guérir pour Bruno Gröning est maintenue. Ces jours-là, de nombreux malades assaillent l'hôtel de ville de Hereford. Lui-même répond aux appels à l'aide d'autres personnes dans les villes environnantes. Dans mon enfance, j'ai souffert de troubles cardiaques. Et par la suite, c'est devenu si grave que je restais assis dans mon lit des nuits entières. Souvent, ma mère devait aller chercher le médecin la nuit, car je risquais d'étouffer. Le médecin, le docteur Kampsmeyer de Hiddenhausen, avait diagnostiqué une lésion de la valvule. Il disait que j'en souffrirais toute ma vie. À cette époque-là, je ne pouvais pas faire de sport à l'école. J'étais donc toujours à l'écart quand il s'agissait de sport. Ainsi, ça allait si mal que j'ai pensé que je n'en avais plus pour longtemps. Alors s'est présentée l'occasion d'aller chez Bruno Gröning. Je suis entré dans la maison où il se trouvait, ici à Zundern, dans la rue Unterenwiesen. Et alors, j'ai pleuré. Je m'en souviens très bien. Et j'ai pensé, « Monsieur Gröning, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider, moi aussi ? J'ai quelque chose au cœur. » Ich hab's mit dem Herzen und so. Und dann sagte er ja. Alors il a dit, mon fils, oui mon fils, a-t-il dit. Et il a posé sa main ici sur ma poitrine et sur ma tête. Tu peux y aller, tu es guéri maintenant. Du bist jetzt gesund. Da bin ich rausgegangen, hab geweint. Alors je suis sorti et j'ai pleuré. Ma mère était dehors. J'ai dit, mère, maintenant je n'ai plus rien au cœur. Et j'ai pleuré. Effectivement, c'était fini. C'était fini le jour même. J'ai pu dormir. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Depuis ma 14e année jusqu'à maintenant. J'aurai 60 ans l'année prochaine. J'ai même recommencé à faire du sport. Par exemple, à l'école, autrefois, nous jouions au ballon. Oui, j'ai recommencé à faire du sport. Je n'avais rien. Je n'avais vraiment plus rien. Ça s'est maintenu, ça s'est simplement maintenu jusqu'à aujourd'hui. Es hat angehalten. Es hat einfach angehalten bis heute. Also meine Mutter hatte Lungenembolie und mit ihren Stuhlgang. Voilà, ma mère avait une embolie pulmonaire et elle avait toujours des difficultés à aller à la selle. Ainsi, elle était restée couchée depuis déjà 6-7 semaines et elle n'allait plus aux toilettes, aucune selle. Alors les médecins lui ont fait un lavement, mais plus rien ne fonctionnait. L'intestin était donc mort, il ne réagissait plus, si on peut dire. Et ma mère était tellement gonflée, elle avait un ventre. Vous pouvez vous imaginer après 7 semaines sans éliminer. Et les médecins avaient renoncé, ils ne pouvaient plus rien pour elle. Und so hat sie die Ärzte aufgegeben, die konnten weiter nichts machen. Jetzt, wie Herr Gröning da nun... Alors, comme Monsieur Gröning se trouvait chez nous, il m'a dit, allez chercher un verre d'eau. Holen Sie mal ein Glas Wasser. Ja, und ich an der Pumpe habe Wasser geholt. Je suis allé chercher l'eau à la pompe. Allez, Madame Graffaren, buvez donc une ou deux gorgées. Et ma mère a bu. Bon, dit-il, savez-vous ce que vous venez de boire ? Un sang nouveau qui coule maintenant dans vos veines. Jetzt durch ihre Adern rinnt.
Bruno Gröning insiste souvent sur le fait que le sang de l'homme est contaminé. Lui, grâce à la force divine, peut le transformer et permettre ainsi la guérison. Et le lendemain, quand je suis arrivé chez moi, mon père était resté à la maison. Et il a raconté ceci. « Je n'ai encore jamais vu ça de ma vie, disait-il. J'avais pratiquement 7 bassins pleins de ce que la mer a éliminé. Tout est sorti, tout a été nettoyé. » Puis mon père a dit, « Monsieur Gröning, qu'est-ce que je vous dois ?»« Rien, dit-il. » C'est seulement comme ça. Le corps médical est déjà en effervescence et il se dresse contre moi. Ils ne peuvent pas comprendre que les malades soient guéris, alors que la médecine classique échoue souvent. Mais il était très calme. Non, Bruno n'avait pas de haine à l'égard des médecins. Seulement, ils veulent m'écarter. Si vous vouliez bien écrire un rapport des faits, alors le lendemain, mon père en a écrit 4 pages. Un Tatsachenbericht schreiben, so schriftlich. Bruno Gröning accorde une importance particulière à la documentation de son œuvre. De ce fait, de nombreux rapports de guérison et lettres de remerciement de l'époque sont conservés. Le lendemain, le médecin est revenu. Il venait tous les jours avec l'infirmière et ils observaient. Le médecin a défait le lit et s'est assis. Madame Graffaren, que la maladie s'arrête comme ça d'un coup, je n'ai encore jamais vu ça. C'est à peu près ce qu'il a dit. Ça habe ich noch nicht mitgemacht. In etwa. Ja, und so waren wir überglücklich. On nageait dans le bonheur. Et ma mère a encore vécu 20 ans en bonne santé. Hat noch 20 Jahre gesund gelebt. Et nous en étions tous reconnaissants. Wo wir alle dankbar waren. Le 7 juin 1949, Bruno Gröning a reçu une interdiction totale de guérir dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie. Ses collaborateurs, Egon Arthur Schmidt et Erich Kuhlmann, en ont informé la foule. Pour Gröning, la situation devient de plus en plus difficile. Tous ses efforts pour avoir le droit de parler aux personnes qui cherchent la guérison échouent. Les gens ont été outrés lorsque l'interdiction de guérir a été prononcée. Une confrontation avec le directeur de la municipalité, c'est comme ça qu'on le nommait à l'époque, je crois, et avec la police, a eu lieu. Puis les gens ont protesté parce qu'on voulait lui interdire son activité. À vrai dire, il y avait alors toujours de l'agitation. Egon Arthur Schmidt, qui documente les événements de l'époque de Erfurt dans son livre « Les guérisons miraculeuses » de Bruno Gröning, écrit au sujet de l'évolution dramatique de ces jours-là. Malgré l'interdiction, sans cesse de nouvelles personnes cherchant de l'aide arrivaient de loin. La pression de ces gens vivant dans une profonde détresse, physique et psychique, se faisait de plus en plus forte sur les autorités. Presque tous les jours se formaient des délégations qui se rendaient même au domicile privé du directeur municipal adjoint Wörmann, alors en poste. J'accorde à Gröning, pour ce soir, l'autorisation de guérir. Wörmann parvient à calmer la foule et obtient qu'elle se retire. Mais l'espoir et la joie des gens qui cherchent de l'aide ne durent pas longtemps. L'interdiction est de nouveau en vigueur le lendemain.
Gröning a définitivement les mains liées. Grande est sa déception devant l'incompréhension vis-à-vis de sa personne et de son œuvre. Il en tire les conséquences et quitte Erfurt, non sans laisser une impression durable derrière lui. En fait, il a introduit une nouvelle ère dans ce domaine, si je puis dire. À vrai dire, à part quelques exceptions mineures, je ne connais personne qui ait accompli des guérisons par voie spirituelle. Il était réellement un pionnier dans ce domaine, car il a ouvert la voie. On peut observer très précisément la manière dont soudain on s'est mis à en parler et en discuter, ce qui n'était absolument pas le cas auparavant, sauf dans certains écrits théosophiques, anthroposophiques, et aussi dans quelques textes ésotériques qui existaient à l'époque, mais c'était tout. Mais lui a fait connaître tout cela. C'est devenu un sujet public de discussion, et ensuite même des scientifiques s'y sont intéressés. Wo sich dann nachher Wissenschaftler mit beschäftigten. Das fing damit an, dass meine Frau. Voilà comment ça a commencé. Ma femme a lu dans un journal ou une revue un article sur Gröning et sur ce qu'il faisait. Elle m'a donné cet article en disant « Dis donc, il faudrait peut-être faire un reportage là-dessus que nous pourrions publier dans la revue. » Seulement, nous n'étions pas les rédacteurs, mais les éditeurs. Cependant, la rédaction s'est montrée très intéressée par le sujet et prête à accepter notre proposition. Les premiers contacts avec Gröning sont pris. Les correspondants de la revue, Heinz Bongartz et Helmut Laux, se chargeraient de l'aspect journalistique de l'affaire. La revue décide de contribuer à l'explication scientifique du phénomène Gröning. La méthode de guérison du docteur Miracle serait étudiée dans la clinique Ludolf Krehl à Heidelberg, sous l'égide du professeur Weizsäcker. C'est surtout le professeur Fischer de Marbourg, psychologue et médecin, qui sera chargé de l'enquête scientifique. Dans le cas d'un déroulement positif, Bruno Gröning pourra espérer un avis favorable, ce qui lui ouvrirait la voie pour agir librement. Ici, on devait tester s'il pouvait guérir ou non. C'est de cela qu'il s'agissait. Ce devait être vraiment un test clinique, la démonstration de sa capacité de guérir. Alors il a accepté en disant « Oui, j'accepte ». Nous sommes allés dans une villa de Heidelberg, dans une sorte d'isolement, c'est-à-dire qu'il ne lui était pas permis d'accomplir des guérisons ailleurs, mais seulement auprès des patients qui lui étaient amenés de la clinique universitaire. Le phénomène Gröning est d'abord remis en question. Le point principal consiste en la vérification scientifique. Cependant, M. Kindler se montre très rapidement impressionné par Bruno Gröning. Nun ja, ich glaube, der Dünkel einer Gruppe von Ärzten, die erstens aufgrund ihrer akademischen und schulischen. En fait, je crois qu'il y avait un groupe de médecins outrecuidants qui étaient persuadés qu'en raison de leur formation académique et de leurs études, ils savaient tout mieux que les autres, en tout cas dans le domaine des maladies humaines. Et naturellement, ils étaient déconcertés de voir un homme ainsi assailli, sans qu'il y soit pour rien. De voir que non pas 5 patients, ni 20, ni 50, ni 100, mais des milliers de patients affluaient vers lui. Bien sûr, il est difficile pour un médecin de comprendre cela. C'est vraiment difficile à comprendre, et plus particulièrement pour ceux-ci. Et lui n'avait, je crois, aucune formation de thérapeute. Il n'avait aucune formation du tout, n'est-ce pas? Il n'était pas bête, il était intelligent. Ce n'était pas un intellectuel, mais il était intelligent, vraiment pas sot. Et il savait s'exprimer clairement et intelligiblement. Comme je l'ai dit, il prenait la peine de parler avec les gens. Mais par contre, ce n'était pas un bavard, Dieu du ciel. Ce n'est pas ce que je veux dire, pas du tout, cela ne correspondrait pas à sa modestie. Non, 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 je croirais volontiers que les médecins ont dit justement « Bon, tout cela n'est pas croyable. Finalement, nous devrions faire cela mieux que lui. Maintenant, nous allons l'enfermer dans la pièce à côté et nous ferons entrer nos patients, puis il pourra venir et nous finirons par découvrir le poteau rose. Il n'est peut-être quand même qu'un charlatan. Tout cela n'est peut-être dû qu'au hasard. Il ne s'agit peut-être finalement que de suggestions de masse. Mais moi, je ne croirais pas cela. » «
on a sélectionné des patients de la clinique Ludolf Krell parmi des centaines de demandes écrites. Danach wurden diese Patienten in diese Villa gebracht. Ensuite, ces patients ont été amenés dans la villa, puis on les a placés en cercle. Lui se trouvait au centre. Tout a été enregistré sur magnétophone depuis une pièce voisine. C'était un grand déploiement de technique. Ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, et plusieurs médecins se tenaient là pour mesurer la tension artérielle et le pouls. Alors, Bruno Grönig a commencé. Je ne me souviens que d'un cas. C'était une patiente qui souffrait d'une constipation chronique, dont on ne pouvait venir à bout par une méthode clinique. Et ça s'est déclenché durant la séance. Elle a même dû sortir. Während der Behandlung ging das schon los, musste sie schon raus. La guérison de Else Joost est publiée dans les journaux comme un événement extraordinaire. Mais le plus impressionnant est le cas Strobel. Depuis des années, il avait la maladie de Bechterew, qui provoquait le raidissement total de la colonne vertébrale. De plus, il souffrait terriblement en marchant et en montant. En un laps de temps très court, ses douleurs disparurent et il put bouger librement. Monsieur Zelter était également un patient de Heidelberg. Le professeur Weizsäcker lui-même avait diagnostiqué une maladie des nerfs très grave et une myélite chronique. Monsieur Zelter ne pouvait tenir sur ses jambes que quelques minutes et très vite, il s'écroulait. On lui donnait encore 5 ans à vivre. Un soir, nous étions assis dans le hall. Il s'est levé tout à coup, sans rien dire, et il est sorti. Et moi, je regardais, où pouvait-il bien aller? Et il a monté ce grand escalier en colimaçon jusqu'au premier étage. Il avait donc monté cet escalier tout à fait seul, comme une personne en bonne santé. Il en était incapable quand il est allé là-bas. Et il est redescendu en sautillant sans s'arrêter comme ça. Et il a travaillé jusqu'à 65 ans tout à fait normalement. Les médecins se montrent impressionnés. Dans la revue, le professeur Fischer s'exprime de manière très positive dans un avis préliminaire au sujet des événements de l'enquête de Heidelberg. Il attribue les succès évidents des guérisons de Gröning à un don naturel. En effet, il essaie d'expliquer tout cela d'un point de vue psychologique, bien que par exemple la guérison de la maladie de Bechterew dans le cas Strobel ne puisse guère être classée dans ce domaine. Il dit... Bruno Gröning n'est ni un charlatan, ni un hypnotiseur, ni un docteur miracle, mais bien un psychothérapeute doué sans être médecin. Par une compassion spontanée, naturelle et aussi d'ordre religieux, il s'efforce d'aider les hommes atteints de souffrances morales. Il n'a pas la prétention d'être un prophète ou un messie, mais il est bien conscient d'avoir une mission. Suite à cela, le professeur Fischer fait à Gröning une proposition qu'il n'accepte toutefois pas. Gröning veut rester fidèle à lui-même et à sa voix et ne pas se sentir contraint. Plus tard, il écrira à ce sujet. On devait mettre à ma disposition des centres de guérison dans lesquels des médecins travailleraient aussi. Ceci afin de pouvoir contrôler tous les cas avec exactitude, dans le but d'obtenir des preuves supplémentaires, non seulement vis-à-vis du public, mais également vis-à-vis de la médecine. Mais monsieur le professeur Fischer exigeait de moi un salaire mensuel de plus de 3000 marks, plus des frais quotidiens élevés. Et en outre, je devais m'engager à céder à monsieur le professeur Fischer 30% sur tous les lits. Et ceci, comme il me l'a expliqué plus tard, pour considérer 30% de toutes les personnes guéries comme l'ayant été par lui, c'est-à-dire pour pouvoir enregistrer ces 30% de toutes les guérisons à son nom et par l'effet de la psychothérapie. Je n'ai pas pu me déclarer d'accord avec cette proposition de monsieur le professeur Fischer, et je l'ai refusé parce que, premièrement, je ne possédais pas le moindre Pfennig, de sorte que je n'aurais pas pu tenir mes engagements financiers vis-à-vis de lui, et deuxièmement, je n'ai jamais pensé faire un commerce de tout ce projet. Certains médecins et professeurs, bien sûr je n'ai pas retenu tous les noms, voulaient disposer de Gröning pour traiter leurs patients. Mais évidemment, c'était une question de profit. Patientenbehandlung gewinnen. Aber das ist dann natürlich auf
Profit ausgegangen. Et Gröning l'a dit un jour, celui qui a reçu ce don, c'est un don de Dieu, ne doit pas en faire du commerce. À partir du moment où j'accepte de l'argent, ce don disparaît. Sobald ich das Geld annehme, erlischt diese Gabe. L'attitude de refus de Gröning est interprétée négativement. Il n'obtient pas le rapport d'expertise promis. Soudain, on raconte que son secret aurait été découvert. Gröning reste incompris. L'expérience du magazine La Revue est terminée. Dans le temps, nous ne faisions pas seulement des magazines, mais à l'époque, nous avons aussi commencé la maison d'édition des livres, et vous voyez un peu ce qu'elle faisait. Elle s'intéressait naturellement beaucoup à la psychologie. Il y a là une œuvre en 15 volumes, La psychologie au XXe siècle. Ces sujets me sont familiers, mais Gröning, lui, est un cas unique. Keiner. Que l'on ne peut rattacher à aucune école de psychothérapie, ni de psychologie. C'est pourquoi je le dis, je pense que c'était un homme profondément religieux. Mais j'avais aussi l'impression qu'un groupe de médecins, je ne veux pas généraliser, voulait l'utiliser et l'a utilisé, et a exploité son savoir. Mais voilà, on ne pouvait pas sonder son savoir. Alors, apprendre et faire la même chose que lui, ça, il ne le pouvait pas. Cela reste un secret. Es bleibt ein Geheimnis. Bruno Gröning a dit une fois dans ce contexte: il est grave que ce soit justement les gens qui ne comprennent rien, qui se considèrent comme savants et ne peuvent donc pas comprendre ce qu'est le savoir. Que la voie de la science ne soit pas juste à 100%, éprouvée rien que par le nombre de scientifiques qui ont refoulé les sentiments et qui ont au lieu de cela laissé parler la raison. Ce n'est certainement pas avec la raison que je peux être compris. Voilà, un jour, il est venu nous trouver pour discuter avec nous de ce qu'il prévoyait ou ne prévoyait pas de faire. Et à l'époque, nous avions une maison à Munich avec un grand jardin. À ce moment-là, la maison nous servait en même temps de maison d'édition. C'est là qu'il est apparu, mais avant qu'il ne vienne ce jour-là, je ne me souviens plus quel jour de la semaine c'était. Nous avions rendez-vous, disons, à 3 heures chez nous. Déjà, les gens commençaient à se rassembler à partir 1 heure ou 2 heures. J'ai essayé d'empêcher cela, car je ne voulais pas le mettre dans l'embarras. De plus, la police aussi était venue, sans doute pour l'empêcher de se présenter. Erschienen, die wohl dafür sorgen sollte, dass dort nicht etwa auftritt. Donc ils étaient dehors, devant le portail. Nous l'avions fermé car nous pensions à cette interdiction et nous ne voulions pas d'ennuis pour nous, mais surtout pour Gröning. Nous savions bien qu'il avait déjà assez d'ennuis comme ça. Quand il est arrivé vers 3 heures et que nous avons ouvert le portail, les gens dont le nombre avait augmenté entre-temps se sont quand même engouffrés dans le jardin et la police ne les en a pas empêchés. Et nous non plus, évidemment, car nous n'avions aucun intérêt à heurter les gens. De toute façon, cela nous préoccupait de voir ces gens là-bas, qu'on ne laissait pas entrer, n'est-ce pas? Enfin bon, ils sont entrés et ils étaient dans le jardin. Et nous sommes entrés dans la maison avec Gröning. Nous nous sommes assis, ma femme, lui et moi, et nous avons eu une conversation très intense. Je ne me souviens plus exactement des détails, ou du moins très peu, après si longtemps et après avoir parlé avec tant de gens. Mais l'impression était la suivante. Un homme modeste, digne de foi, d'un naturel bon, serviable, se trouve là, et nous aimerions bien l'aider dans la mesure de nos possibilités. Je me souviens d'un détail. J'étais assis là, les jambes croisées, et je ne sais pas comment nous en sommes venus à parler des fonctions du corps. Et il s'est permis de dire qu'on devrait peut-être, enfin, que je ne devrais peut-être pas faire cela. Enfin, ce ne serait pas bon du point de vue organique, qu'il vaudrait mieux que je m'assoie de manière décontractée. Je crois qu'il avait raison.
Oui, puis finalement, on en est venu, bien sûr, à parler de cette interdiction qui le concernait. En fait, que peut-on faire? Quel avocat peut s'en occuper? Et ainsi de suite. Mais avant toute chose, dois-je sortir, dire aux gens, « S'il vous plaît, rentrez à la maison. Nous ne pouvons pas traiter les gens comme ça », dis-je. Et c'était aussi son opinion. Il dit alors, « Je ne peux pas empêcher les gens de vouloir parler avec moi. Mais encore une fois, je dois me conformer à l'interdiction. » Je vais donc sortir et dire quelques mots pour expliquer que je ne peux justement rien dire. Et ça s'est passé comme cela. Je l'ai accompagné à l'extérieur, nous avions une grande piscine carrée dans le jardin, mais sans eau. Elle n'était pas remplie à ce moment-là. Et à un endroit du bassin, il y avait un petit escalier qui montait vers un petit promontoire où se trouvaient des sièges. C'est là que nous l'avons conduit, ma femme et moi, croyant qu'il montrait les quelques marches, pour parler de cet endroit-là à la foule qui se tenait autour du bassin, pour dire combien il était désolé. Mais voilà, il s'est arrêté, il n'est pas monté, et il a descendu les quelques marches dans la piscine à sec. Nous avons trouvé cela nous a aussitôt profondément touchés. Et je dois dire que je trouve cela très intéressant, aussi du point de vue psychologique. Le fait qu'il s'adresse aux gens non pas du haut, comme nous l'avions supposé, mais qu'il descende et parle aux gens qui l'entouraient en regardant vers le haut. Il y a eu un grand silence. Puis il a dit combien il regrettait et comme il espérait vivement que cela change pour pouvoir se consacrer aux patients, mais qu'aujourd'hui il ne le pouvait pas encore et qu'il fallait comprendre qu'il ne pouvait pas agir contre cette interdiction. Puis il a dit qu'il souhaitait donc prendre congé. Alors il s'est quand même dirigé vers les personnes qui avaient particulièrement besoin de lui, celles qui étaient sur les civières et dans les fauteuils roulants. Il leur a donné la main et leur a souhaité un bon rétablissement. Soudain, l'une des personnes qui était sur une civière s'est levée en disant « Je vais mieux, je vais mieux ». Et des fauteuils roulants, eh bien, les fauteuils roulants sont souvent utilisés par des gens qui momentanément se déplacent avec difficulté. Quelques-uns donc des occupants se sont levés et c'était une scène bouleversante. Près de moi se trouvait un médecin qui s'est présenté à moi en me disant « En tant que médecin, on a honte de son impuissance. » Par la suite, de plus en plus de personnes se posent des questions sur l'origine de Gröning. Il écrit à ce sujet dans différents récits de sa vie. « Je suis né le 30 mai 1906 à Danzig-Oliva. J'étais le quatrième des sept enfants du couple Auguste et Margaret Gröning. Durant mon enfance et ma jeunesse, je constatais de plus en plus souvent que je possédais des capacités particulières qui, émanant de moi, étaient de nature à exercer une influence apaisante ou curative sur les gens et les animaux. » Ma relation avec ma famille était étrange et tendue. En tout cas, je ne suis pas resté longtemps prisonnier de la maison paternelle. Je m'en suis libéré très vite et souvent. La forêt et mes amis les animaux m'attiraient tellement que je retournais toujours auprès d'eux. Là, j'ai fait l'expérience de Dieu, dans chaque buisson, dans chaque arbre, dans chaque animal et même dans les pierres. En peu de temps, je me suis senti en sécurité, car ici, je n'étais pas aussi seul. Dans mon enfance, j'ai aussi pu constater que les animaux, considérés généralement comme craintifs ou même méchants, se montraient bienveillants et dociles à mon égard. Je parlais à tous les animaux. Bref, nous nous entendions très bien. Je pouvais rester là et songer pendant des heures. En réalité, je n'avais aucune notion du temps et j'avais toujours l'impression que toute ma vie intérieure se fondait dans une immensité infinie.
Dans sa famille, le petit Bruno était de moins en moins compris. Il recevait souvent des coups et on le prenait pour un cinglé qu'on laissait de côté. Bruno ist mein Cousin. Und meine Eltern erzählten das. Bruno est mon cousin. Et mes parents racontaient ceci. Petit garçon, c'était déjà en quelque sorte un original, comme on dit. Il allait souvent se promener dans la forêt et il s'est mis tout à coup à récupérer du pain à la maison. Les parents se demandaient pourquoi. Et il a dit que, voilà, il devait faire des provisions de pain et le faire sécher. Puis il voulait l'enterrer dans la forêt, car il croyait, et même il disait, qu'une guerre allait arriver, et qu'ainsi, ils auraient quelque chose à manger plus tard. Oui, les parents étaient surpris qu'il réagisse ainsi, et ils n'y ont pas trop fait attention, parce qu'il était de toute façon un peu différent de ses frères et sœurs. Bisschen anders war als seine anderen Geschwister. Dans une déclaration sous serment faite en 1949, August Gröning s'est exprimé ainsi au sujet de son fils Bruno. Il pouvait même prédire des événements particuliers, comme le début et la fin de la guerre 14-18. Il avait prédit aussi la mort de sa mère, ainsi que le début de la guerre 39-45. Il a tout vu et tout prédit. De plus, il avait encore une qualité particulière qui lui permettait de guérir les gens de leur maladie et de les soulager de leur souffrance. C'était très intéressant pour nous d'entendre parler de telles choses, du temps où il était petit garçon. Sa mère l'emmenait déjà dans des hôpitaux, car les patients le réclamaient. « Amène donc le petit Bruno. Quand il vient nous voir et qu'il est assis là et qu'il parle avec nous, nous ressentons un grand calme et nous nous sentons beaucoup mieux. » Mère, tu peux encore m'entendre ? Grand-mère, tu ne vas pas mourir. Tu vas bien. Bruno Gröning évoque plus loin dans ses mémoires. Déjà quand j'étais petit, des personnes malades étaient délivrées de leurs maux en ma présence. Ainsi, constamment, j'étais directement attiré par les malades. Je suis allé à l'école primaire. Après l'avoir quittée, j'ai entamé un apprentissage commercial que j'ai suivi durant 2 ans et demi. Mais j'ai dû abandonner cette formation à la demande de mon père, qui désirait que j'apprenne un métier du bâtiment. J'ai réalisé le souhait de mon père et appris le métier de charpentier. Cependant, il ne me fut pas possible de passer mon certificat de fin d'apprentissage, car il y avait beaucoup de chômage à l'époque à Nancy. C'est pour cette raison que j'ai dû quitter ma place 3 mois avant la fin et sans avoir pu passer l'examen final clôturant l'apprentissage, car l'entreprise dans laquelle j'étais apprenti avait dû cesser ses activités faute de commandes. Le fait que Bruno Gröning n'ait pas pu passer son examen de fin d'études en raison des troubles de l'époque lui fut souvent reproché par la suite et fut interprété comme un signe d'instabilité et d'incapacité. En 1925, à l'âge de 19 ans, il réussit à monter un atelier de menuiserie et d'ébénisterie et à se mettre à son compte. Il peut maintenir l'entreprise pendant 2 ans, mais en raison de la mauvaise situation économique qui prévaut à Danzig, il est contraint d'abandonner à nouveau. Ensuite, il s'efforce, comme beaucoup d'autres dans la période difficile d'entre-deux-guerres, de gagner sa vie tant bien que mal en acceptant tout travail qui se présente. Tous ces travaux, je les ai accomplis avec intérêt et l'important pour moi, c'était d'apprendre par la pratique ce que les gens savaient et pouvaient faire dans toutes les situations de la vie et dans toutes les classes sociales. Ainsi, j'ai appris comment les gens menaient leur vie. Je ne recherchais pas seulement les plus pauvres parmi les pauvres, mais aussi les plus riches parmi les riches, afin d'apprendre comment ils vivaient. Max Braun, un ancien ami de Gröning, se souvient.
C'était en 1931, quand je cherchais de toute urgence un logement pour ma famille. Notre chemin nous conduisit à la Ringstrasse 77-2, à Danzig-Langfour. Nous y fûmes accueillis et on nous attribua une chambre dans l'habitation de deux pièces, occupée par Bruno Gröning. Déjà à l'époque, Bruno Gröning ne pensait jamais à lui. Ce qui importait le plus pour lui, c'était d'aider son prochain et de lui donner de nouvelles forces. C'était pareil pour lui si quelqu'un avait un souhait concernant sa santé ou s'il avait besoin d'une toute autre forme d'aide. Déjà à l'époque, on lui demandait souvent de se rendre auprès des malades. Mais quelle que fût son aide, jamais il n'a demandé un seul centime. Au contraire, il a même donné à ses gens le peu d'argent qui lui restait. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais encore insister particulièrement. Il s'agit en effet de ce qui s'est passé dans le monde au cours des dernières années et aussi de la division de l'Allemagne. Même le début et le déroulement entier de la guerre se sont produits exactement comme Bruno Gröning nous l'avait prédit. Ernst Kohn témoigne de la même façon des capacités extraordinaires de Gröning. Autrefois déjà, M. Bruno Gröning avait aidé beaucoup de gens par son rayonnement et ses prévisions se sont toujours révélées exactes. Au cours des années où nous étions voisins à Danzig-Langfour, je ressentais déjà la force curative de Bruno Gröning. J'ai souvent été libéré de mes douleurs. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Bruno Gröning a 33 ans. Lui-même voit en cette guerre un signe qui indique clairement à quel point l'homme s'est éloigné de Dieu. Dans ses mémoires, il se souvient. En 1943, à l'âge de 37 ans, j'étais appelé à la Wehrmacht. Mon attitude a provoqué des frictions. C'est ainsi que, par exemple, on m'a menacé de passer devant le conseil de guerre parce que j'avais fait la déclaration suivante : que vous m'envoyiez au front ou pas, je ne tuerai jamais personne. Le 5 mars 1945, Bruno Gröning se retrouve prisonnier de guerre des Russes. Là aussi, il aurait guéri de nombreux prisonniers. Mais comme il dit clairement ce qu'il pense à la direction du camp et qu'il lutte afin d'obtenir de meilleures conditions d'existence pour ses compagnons, on le considère comme un rebelle. Comme Gröning le rapporte plus tard, quelques officiers russes prennent cependant son parti et évitent qu'il soit fusillé. Il m'a dit un jour, quand j'étais prisonnier en Russie, j'ai rendu la vie de beaucoup de mes camarades plus supportable. Et les Russes eux-mêmes sont venus à moi en me disant, vous êtes un deuxième Rasputin. Sie sind ein zweiter Rasputin. J'ai bien connu M. Leis, qui se trouvait dans un camp de prisonniers avec Bruno Gröning. Il a confirmé qu'à l'époque déjà, Bruno Gröning avait aidé beaucoup de gens en leur apportant la santé et un mieux-être et qu'il avait partagé pas mal d'expériences avec lui. Und hat vieles mit ihm erlebt. Auf der Heimfahrt von der Gefangenschaft. J'ai rencontré Bruno Gröning dans le train qui nous ramenait de captivité. Dans le wagon, nous étions allongés l'un à côté de l'autre. Pas tout de suite, mais après, il m'a raconté tout ce qu'il était capable de faire, qu'il était comme un guérisseur miraculeux. Il m'a raconté toutes sortes de choses qu'il avait l'intention de faire. Et quand nous nous sommes séparés, là, il m'a encore une fois parlé de certaines choses. Alors je lui ai dit, non mais ça va pas, t'es fou. En décembre 1945, Gröning est libéré de captivité. Il va à Dillenburg et fait venir sa femme. Celle-ci ne veut toutefois rien savoir de ses capacités de guérison. Et peu de temps après, elle lui demande de choisir entre s'occuper d'elle seule ou des gens qui lui demandaient de l'aide. C'est ainsi qu'ils en arrivent à une séparation. Bruno Gröning poursuit dans ses mémoires. En Allemagne de l'Ouest, j'ai fondé avec des réfugiés l'œuvre d'assistance aux personnes expulsées. Je faisais partie aussi de la commission au logement, car je sentais à nouveau en moi l'obligation d'aider les gens. La guerre a laissé partout des marques profondes. Ses conséquences désastreuses apparaissent seulement maintenant. 17 heures d'attaques incessantes. Les gens devaient rester allongés sur le sol. Le lendemain ou au cours de la nuit précédente, je ne me souviens plus,
Ma main s'est paralysée. Je ne pouvais plus porter la cuillère à la bouche. Quelle frayeur, vous comprenez? Non pas que j'ai pleuré d'avoir perdu tous mes biens. On doit pour le moins s'estimer heureux de n'avoir pas brûlé avec la maison. Et cette main paralysée fut soignée, bien sûr. Nous avons fait tout ce qui était possible, mais elle est restée paralysée. Alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelebt. Après les jours agités à Erfurt et les expertises scientifiques à Heidelberg, Bruno Gröning est invité en août 1949 par M. Havart dans son hara au Traberhof, près de Rosenheim. Il désire surtout se retirer là-bas pour échapper à l'agitation qui règne autour de sa personne. On réussit dans un premier temps à garder secret le lieu de son séjour. Toutefois, dès que les premiers journaux ont rapporté son arrivée en Bavière, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Eh bien, cela se présente bien, Madame Bernard. Je pense qu'avec les médicaments, tout rentrera vite dans l'ordre. Mais je les prends depuis si longtemps. Je sais, Madame Bernard, mais faites-moi confiance. Allez, bon rétablissement et repassez me voir la semaine prochaine. Merci beaucoup, docteur. Heinz, il faut absolument que je te parle. Fritz, tu ne peux quand même pas. Tu ne vas certainement pas me croire. J'étais aujourd'hui à Rosenheim. Assieds-toi d'abord. J'étais donc aujourd'hui à Rosenheim, au Traberhof. Tu ne vas pas croire ce qui s'y passe. Il y avait des milliers de gens et Gröning qui parlait. Oh, ce Gröning. Tu ne vas pas recommencer avec ça. Il y avait tant de malades en chaise roulante sur des civières. Et soudain, quelques-uns se sont levés. Mais arrête avec ça! Si, et ils marchaient à nouveau. Fritz, retrouve tes esprits. Tout cela n'est que comédie. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais ils sont payés pour. Tout ce qu'ils font, c'est simuler. T'es en train de te faire avoir. Quand j'étais à Munich, j'ai tout de suite téléphoné au Traberhof. J'ai eu la chance d'avoir M. Kuhlmann au bout du fil. Je lui ai dit que tout cela m'intéressait, comme Heilpraktiker et élève du Dr Schmidt. Alors il a dit, nous sommes contents quand des gens comme vous viennent voir ce que nous faisons. Et oui, il y avait de plus en plus de gens, jusqu'à des milliers de gens, peut-être 5000, n'est-ce pas? C'était difficile à évaluer. Et alors, les guérisons se produisaient sans doute aussi en plus grand nombre. On avait toujours l'impression que plus il y avait de monde, plus il y avait de guérisons. Une agitation intense s'empare de la presse. Les informations se succèdent rapidement. On écrit des articles à sensation. On nomme entre-temps le Traberhof le Lourdes bavarois. Cela provoque en un rien de temps des rassemblements de masse. Le Traberhof devient le point de ralliement d'innombrables personnes en quête de guérison. Le Traberhof passe soudain pour être le premier centre de guérison de Gröning. De partout, on entend parler de guérison sensationnelle. Il m'a seulement regardé comme ça et je lui ai montré ma main. Et ensuite, je ne sais pas, y avait-il là une table ou quelque chose comme ça? En tout cas, je tenais la main ainsi. Et soudain, mes doigts ont tambouriné. C'était un roulement de tambour, un long moment. Je suis tout à fait incapable de le refaire aussi vite qu'à l'époque. Et au même instant, la paralysie avait disparu. Cela s'est passé en une demi-heure, vraiment. Nous étions tous deux très contents, parce qu'il se réjouissait toujours d'assister personnellement à un changement aussi rapide, et c'était vraiment un grand cadeau pour moi. Und das war wirklich ein großes Geschenk für mich. Alle Anwendungen. Tous les soins, bains de plantes, médicaments, exercices, tout cela n'avait servi à rien. Le choc de cette nuit de bombardement s'était tellement imprimé dans mes membres. Non, là on peut vraiment parler d'une guérison particulière. Da kann man wirklich von einer besonderen Heilung sprechen. Le Traberhof devient un événement à l'échelle mondiale. Jusqu'à 30 000 personnes se rassemblent certains jours sur le terrain du Hara. Des gens viennent même de l'étranger pour voir Gröning.
Après les troubles de la période de guerre, les malades et les personnes souffrantes retrouvent ici espoir et demandent aide et guérison. Je me suis rendu au Traberhof en moto. À Schlossberg, j'ai emmené ma tante avec moi. Elle voulait s'y rendre aussi. Nous étions debout, tout au fond. Il y avait 10 000 personnes, je ne sais plus. C'était une foule immense. Quand il est sorti sur le balcon, il faisait déjà nuit, les lampadaires étaient allumés. Il est sorti, il a regardé autour de lui en disant « Oui, Michel est là, Michel est là. Monte tout de suite me rejoindre. » Der Michel ist da, der Michel ist da. Ja, komm noch gleich rauf zu mir. Das war für mich direkt ein Wunder. C'était pour moi un véritable miracle. À l'époque, j'allais mieux, mais quand je suis rentré de captivité, j'avais les cheveux très courts et je pesais 48 kilos. Ganz so. Nee, ganz morgen, mais 96 Pfund. Das war Le summum pour moi, ça a été qu'ils me reconnaissent au milieu de cette foule. Pourtant, je me trouvais tout au fond avec ma tante. Il a dit, Michel est là, monte vite me rejoindre. On ne peut vraiment pas s'imaginer cela. Il m'a reconnu parmi toute cette masse de gens. Si cela s'était produit un mois après, et même alors, mais c'était 5 ans après. Selbst da war es so, ne? Aber das war ja 5 Jahre danach, nicht? Alors nous sommes allés devant, à la porte de la maison. La police était là et ne voulait pas me laisser passer. J'ai dit, je suis celui qui l'a appelé. Il ne voulait pas laisser passer ma tante non plus. Alors j'ai dit, si elle ne peut pas m'accompagner, je ne monte pas. Alors ils l'ont laissé m'accompagner, je suis entré. Alors il a dit, tu te souviens quand tu as dit que j'étais complètement fou? C'est la première chose qu'il m'a dite. Il a dit que tu es une spine et un vogel. Oui, je m'en souviens très bien, je dis. Et il a ajouté, mais j'avais dit aussi qu'un jour tu lirais beaucoup de choses à mon sujet dans les journaux. Et c'est ce qui s'est produit. Même les actualités hebdomadaires rapportent les événements du Traberhof. Le nouveau slogan du jour, Bruno Gröning, l'homme qui, avec ses étranges guérisons, a fait sensation tout d'abord à Erfurt en Westphalie, puis a déménagé à Rosenheim en Bavière. Depuis, les foules en quête de guérison ainsi que beaucoup de curieux campent nuit et jour devant le Traberhof, demeure actuelle et lieu d'action de Gröning. Les forces singulières de Gröning, la divulgation des guérisons obtenues jusqu'alors et la foi grandissante de ses fidèles allant parfois jusqu'à l'extase ont fait du cas Gröning un phénomène très controversé. Les scientifiques sont dans l'expectative, surtout en ce qui concerne la persistance de l'action curative de Gröning. Des scènes comme celle-ci sont des épiphénomènes du culte Gröning, souvent provoqués par l'influence de tiers. Pourtant, tous attendent pendant des heures et souvent même des jours entiers. Des gens accablés par toutes sortes d'infirmités sont accroupis en rangs serrés et silencieux. Et c'est seulement au moment où Gröning apparaît qu'un mouvement s'empare de la foule en souffrance. L'apparition de Gröning au balcon est le moment qu'ils ont attendu. Un étrange et douteux phénomène de nos jours. J'étais radiotélégraphiste dans l'infanterie et le 4 juillet 1943, j'ai été grièvement blessé. Il serait impossible de dénombrer toutes mes blessures. En tout cas, j'étais grièvement blessé. Le plus grave, c'était ma blessure au cerveau. J'avais reçu un éclat dans la tête. On m'avait opéré en 1946 pour enlever l'éclat. Mais le pire, c'était que j'étais devenu hémiplégique du côté gauche. Tout mon corps était douloureux, j'avais beaucoup de difficultés à marcher. Je pouvais seulement trottiner en faisant des petits pas de 20 cm environ. Entre-temps, j'ai été admis au centre des traumatismes crâniens de Munich. Mais le docteur Volnia, médecin-chef, excellent médecin, n'a pas pu m'aider à l'époque. Chaque jour, il essayait quelque chose de nouveau. Médicaments, massages et autres, gymnastique, on a tout essayé. À la fin, il a même utilisé la morphine, mais sans résultat. Et soudain, en revenant de la prière du soir, je vois un de mes camarades assis à la fenêtre, en train de lire le Bild-Zeitung, qui portait en gros titre « Bruno Gröning a secouru ». Cela m'avait tellement fasciné, le fait de penser à Gröning.
C'est pourquoi j'ai demandé à ce camarade s'il voulait bien m'accompagner le lendemain. Arrivé à Rosenheim en train, nous descendons. Je ne savais même pas où se trouvait Gröning, ni le Traberhof dont il était question. Je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. Je ne savais pas non plus si Gröning était là. Et en sortant de la gare, nous voyons beaucoup de gens avec des cannes ou des béquilles prendre tous la même direction. Alors j'ai dit à mon camarade, « Dis donc, c'est par là que nous devons aller, nous aussi. » Au Traberhof, déjà plusieurs milliers de personnes attendaient Gröning. Mais personne ne savait s'il était là ou pas. Du balcon, on ne voyait que des gens. Ça grouillait de gens. Inimaginable, cette foule. Il était même difficile d'arriver jusqu'à la maison. Gröning est sorti sur le balcon et s'est appuyé sur la balustrade, bien calé sur ses deux bras fort écartés. Je n'oublierai jamais cette image. Alors Bruno Gröning a salué la foule et a dit ceci. « S'il vous plaît, placez-vous tous de façon à ne pas vous toucher les uns les autres. » Bien sûr, cela a duré un certain temps. C'était très difficile, car il y avait là tellement de gens serrés les uns contre les autres. Nous devions nous écarter afin de ne plus nous toucher et avoir nos mains tendues vers le bas. Nous étions vraiment silencieux. On aurait entendu une épingle tomber malgré la foule. C'était inimaginable. Quand il était sur le balcon, j'avais l'impression qu'il était conscient de sa mission. C'est cela qui lui conférait sa force et son rayonnement. Il avait déjà dit beaucoup de choses, mais pour moi, le plus important était ceci. Il vous faut croire en Dieu, et à moi, vous devriez faire confiance. Tout le reste nous mènerait trop loin, vous comprenez ? C'était cela le fondement de son action. Il s'est passé ceci dans mon corps. J'ai ressenti une très forte chaleur à l'intérieur. J'ai senti mon sang, mon pouls qui battait très fort. J'avais l'impression d'entendre le pouls et le bruissement du sang dans mon corps. J'ai eu terriblement chaud et c'était une sensation étrange que je n'avais jamais éprouvé auparavant et que je n'ai plus jamais ressenti depuis. Et à partir de ce moment-là, je me suis senti mieux. Mais je n'en ai ressenti les effets qu'après la guérison, quand nous sommes repartis pour reprendre le train. Je pouvais à nouveau faire des pas normaux, alors qu'avant je ne faisais que trottiner. Mon copain n'avait plus besoin de m'aider. Je pouvais marcher normalement. Par moments, j'ai même porté ma canne et j'ai pu marcher sans. Mon camarade m'a dit « Que fais-tu là ?» Je lui ai dit « Ah, je me sens tellement bien, je peux à nouveau marcher sans canne. » Il a été étonné. Et quand nous sommes rentrés, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre au centre des traumatisés du cerveau. Tous étaient au courant et très surpris que je puisse subitement remarcher comme ça. À partir de ce moment, le médecin n'a plus dû me donner de médicaments, plus de morphine, plus rien. Je n'ai plus eu besoin de rien. Et cela s'est maintenu. Depuis, je n'ai plus jamais été vraiment malade. Ich war seitdem nie mehr ängstlich erkrankt. Je ne suis pas ici pour faire de grands discours, mais pour aider et transmettre la guérison. Ne pensez pas à vos souffrances. Observez votre corps et posez-vous la question : que se passe-t-il dans mon corps ? Ressentez-vous que quelque chose traverse votre corps que vous n'aviez jamais ressenti ? Je vous dis que vous tous n'êtes que des enfants de Dieu. L'unique médecin, le médecin de tous, est et reste notre Seigneur. Lui seul peut aider. Mais il n'est que l'homme qui a trouvé le chemin vers lui, ou celui qui est prêt à prendre ce chemin, à accueillir la foi en lui et à vivre avec elle. Vous n'avez pas besoin de croire au petit Gröning. Mais il faut que vous m'accordiez toute votre confiance et remerciez le Seigneur pour sa grande action, pour sa toute-puissance, pour sa magnificence. Ce n'est pas moi qui veux les remerciements. Ainsi, je souhaite à vous tous qui êtes ici présents la meilleure santé.
rejetez la maladie et accueillez la santé en vous. Ceci se produit au nom de Dieu. Le meilleur, le plus grand cadeau en cette vie terrestre n'est pas la richesse, ni l'argent, mais bien la santé. Je vous appelle à l'ordre. Je veux que vous meniez une vie saine, une vie bonne, telle que Dieu l'a déterminée, et que vous ne vous préoccupiez plus du malin, du mal, que vous ne vous en accommodiez pas, non, que vous le chassiez. C'est seulement si vous faites tout cela que Dieu commencera à agir en vous. L'ordre, c'est Dieu. L'ordre, c'est la santé. Je peux voir. Je vois. Regardez, je vois. Les yeux. Je me souviens encore d'un cas, un aveugle qui s'est mis tout à coup à crier dans la foule. Je peux voir, je peux voir. Eh bien, je l'ai fait monter pour me convaincre. Il faisait nuit. J'ai demandé « Combien y a-t-il de fenêtres éclairées là, dans cette maison ?» et ainsi de suite. Et il a répondu « Plus tard, je suis retourné voir cet homme parce que nous avions besoin de témoins pour un procès à Munich. J'ai retrouvé son adresse quelque part. C'était une cabane très primitive, une maisonnette. Il était en train de tapisser avec soin. » C'est bien la preuve qu'il pouvait voir, n'est-ce pas? Il était un peu très fleißig, nicht wahr? Offensichtlich konnte er sehen, ne? Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer und da. J'ai vu les personnes en fauteuil roulant. Elles étaient assez nombreuses, je ne sais plus combien, et elles ont effectivement répondu à l'exhortation de Gröning. Elles se sont levées de leur fauteuil roulant et elles l'ont poussé elles-mêmes. Ça, je l'ai vu. Une Hongroise, une Tzigane, je crois, est arrivée en marchant sur les genoux. Elle joignait les mains et criait « Merci, Gröning, merci, Gröning ». Alors je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle m'a montré qu'elle avait eu les deux mains paralysées. Pourtant, elle était encore très jeune, 20 ans à peine, et très élégante pour l'après-guerre. Et maintenant, tout à coup, elle pouvait à nouveau ouvrir ses mains. Im Pferdegestüt am Gatter. Au haras, je me suis un peu appuyée contre la clôture pour me reposer, car on ne pouvait pas s'asseoir. Puis un homme est arrivé. Il voulait sauter par-dessus la clôture pour les chevaux, et il a sauté. Ça faisait au moins un bon mètre, 1,20 m. D'une main, il se tenait à ce piquet, puis il a sauté par-dessus. Sie sind hier ja fehl am Platz. Was machen Sie denn hier? Ja, sagte. Ich bin die ganze Woche. J'ai dit alors, vous n'êtes pas au bon endroit. Que faites-vous donc ici? Oui, dit-il, je suis ici depuis une semaine. Ça devait être jeudi ou vendredi. Et dimanche, j'y suis allé pour la première fois. Et tout à coup, j'ai pu marcher. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Si, dit-il, j'étais paralysé. Alors il a ouvert son portefeuille et il m'a montré une photo sur laquelle on pouvait voir qu'il était gravement handicapé. D'ailleurs, on le voyait avec ses deux béquilles. Et il a ajouté « Maintenant, cela fait 4-5 jours et je peux marcher, je n'ai plus besoin de béquilles. » S'il ne m'avait pas montré sa carte d'invalide, je ne l'aurais pas cru. Oh, il était rayonnant de joie. Je dis qu'il a reçu une force énorme. Il avait au moins 50 ans. Sauter comme ça par-dessus la barrière, certains jeunes n'en seraient pas capables. C'était impressionnant. À cette époque-là, on réalise même un grand film documentaire sur Bruno Gröning et les événements extraordinaires du Traberhof. Rolf Engler est responsable de la régie et de la production. Le film doit retracer les faits de façon objective et informative. De nouvelles guérisons n'en continuent pas moins de se produire. Herr Pavel hatte multiple sclérose. Monsieur Bavet souffrait de sclérose en plaques et pendant la guerre, il avait été envoyé d'un hôpital militaire à l'autre. Personne ne pouvait l'aider. Cela s'était tant aggravé qu'après la guerre, il ne pouvait plus travailler. Ils avaient fui la région des Sudètes et s'étaient réfugiés à Rosenheim. Geflüchtet nach Rosenheim.
Seine Krankheit war so weit fortgeschritten, dass er nur noch sitzt. Sa maladie avait tellement empiré qu'il devait presque toujours rester assis. Il pouvait tout juste tenir debout. Et pour se raser, il devait soutenir son bras avec l'autre main pour pouvoir y arriver. Dass er das vollführen konnte, die Tätigkeiten. Ich war öfter mal bei ihr gewesen und sah, wie krank. J'allais souvent chez Madame Bavet et j'ai vu à quel point son mari était malade. Il ne pouvait pratiquement se déplacer qu'entre le lit et la table. On devait lui tenir la main pour qu'il puisse porter la cuillère à la bouche. C'était donc, je dirais, un malade condamné qui végétait là, comme ça. Er stand mit seiner Frau am Traberhof unter tausenden von Menschen. Alle warteten auf Bruno Gröning. Il était au Traberhof avec sa femme, parmi des milliers de gens qui attendaient Bruno Gröning, eux aussi. Alors, on a appris que Bruno Gröning devait partir tout de suite. Madame Bavet a quitté son mari et a couru vers la voiture emmenant Bruno Gröning, qui était en train de démarrer. Elle s'est écriée « Monsieur Gröning, s'il vous plaît, aidez mon mari. » Elle lui a demandé de tout son cœur. Aus innerstem Herz hat sie gebeten. Und reichte ihr die Hand heraus. Alors, il lui a tendu la main hors de la voiture et a serré très fort la sienne. Quand la voiture a démarré, elle a couru à côté. Et pour finir, il lui a dit, il sera aidé. Es wird ihm geholfen sein. Es war ihr diese Begegnung mit Bruno Gröning so. Cette rencontre avec Bruno Gröning avait tant de valeur pour elle. Le fait qu'il lui avait tenu la main. Automatiquement, elle avait gardé la main et le bras en l'air et s'est effrayé un chemin à travers la foule jusqu'à son mari. Elle lui a dit « Eh bien, mon cher mari, cette main a tenu la main de Bruno Gröning. » Et elle lui a donné la main droite. Und gab ihm die rechte Hand. Und in dem Augenblick ist il... Au même instant, il a reçu une force qui a envahi tout son corps. Et il s'est senti si bien qu'il a eu soudain le sentiment qu'il était libéré de ses fardeaux, de ses maladies et de ses handicaps. Il a pu remarcher pour prendre son train. Er konnte zum Zug laufen. Mein Mann hatte mir von der Fabrik. Mon mari m'envoyait souvent un jeune de l'usine pour me communiquer des messages, car nous n'avions pas le téléphone. Lorsqu'il a frappé à la porte, j'ai dit « Oui, Max, tu peux entrer ». Et tout à coup, c'était Monsieur Bavet qui se tenait devant moi. « Vous êtes monté les escaliers en courant ?» lui ai-je dit. « Oui, c'était moi. » Et moi de dire « Mais ce n'est pas possible. Je suis guérie et je vais avoir de grandes difficultés. Je dois aller voir différents médecins et tout leur raconter. On va me retirer l'argent que j'ai reçu pour ma maladie puisque je suis en bonne santé. Je peux tout simplement reprendre un métier. Évidemment, nous restions tous bouche bée. Ich bin ja gesund. Ich kann ja ohne weiteres wieder einen Beruf ergreifen. Also wir waren natürlich alle sprachlos. Le témoignage de réussite de Monsieur Bavet est consigné par écrit pour documenter les événements particuliers. Il témoigne de sa guérison sous serment. Plus tard, il deviendra d'ailleurs un proche collaborateur de Gröning. Ses anciens mots ne sont plus jamais revenus. Beaucoup d'autres gens témoignent de phénomènes semblables. À 14 ans, j'ai eu des phlébites. J'avais des douleurs à en perdre connaissance. Suite aux phlébites, j'ai fait une embolie pulmonaire. Des caillots de sang dans les poumons. 3 jours plus tard, j'ai perdu connaissance. Le médecin m'a fait des piqûres. La nuit, j'étais assis au lit et je n'arrivais plus à respirer. Cela s'est aggravé, les médecins ont préconisé alors d'amputer la jambe, parce que c'était là que le sang stagnait. Je refusais absolument, je ne voulais plus vivre. Il semblait impossible qu'une amélioration quelconque se produise. Monsieur Vanderwitz est une des nombreuses personnes venues chercher la guérison au Traberhof.
Il se trouve au milieu de la foule et espère quand même encore recevoir peut-être une aide par Bruno Gröning. Une heure plus tard, j'allais si bien. Je me sentais calme et léger. La pression intérieure et toutes mes souffrances avaient disparu. Dès alors, j'étais très bien. Je pouvais à nouveau dormir la nuit. Je n'avais plus de difficultés avec mon cœur ni ma respiration. Entre-temps, le médecin du village avait déménagé. Plus tard, il a demandé un jour à ma mère si j'étais encore en vie. Ma mère lui a dit « Oui, il va bien ». Il n'en revenait pas. Der ist von Staunen nicht mehr rausgekommen. Der war noch mit 50 Jahren. Ich war schon 50 Jahre mit Mutter. À l'âge de 50 ans, je demande un jour à ma mère pourquoi à l'époque je n'avais pas eu la ferme. Les médecins avaient dit que je vivrais 30 à 35 ans au plus. Dann habe ich da einen Hof nicht gekriegt. D'innombrables rapports de guérison de l'époque attestent la diversité des guérisons. Elisabeth Schwert était sourde de l'oreille droite depuis 20 ans. Elle a été guérie, bien que son médecin traitant lui ait expliqué qu'il était exclu qu'elle retrouve Louis. Madame Le Scheider s'est guérie de la maladie de Bechterew. Au Traberhof, Hugo Parolke est guéri de rhumatisme très ancien et de douleurs dues à une sciatique. Senta Saltner, âgée de 57 ans, est guérie du bégaiement dont elle souffrait depuis l'âge de 6 ans. Madame Krusinosmina est guérie de douleurs névralgiques qu'elle avait depuis 10 ans. Hans Schönauer est guéri d'une sclérose en plaques remontant à 11 ans. Il marche maintenant facilement sans canne. Lina Brandl obtient également une guérison. Elle avait eu pendant 10 ans une coxarthrose des deux hanches et avait été déclarée incurable. Johann Schaeffer est guéri au bout de 13 ans de très douloureuses végétations au duodénum et d'une importante descente de l'estomac. Paula Behmer est délivrée d'une grave maladie du cœur. Pendant 20 ans, Johanna Bayer a souffert d'asthme et d'une telle insuffisance respiratoire que son cœur menaçait de lâcher. Sa guérison est même confirmée par le milieu médical. Depuis 30 ans, Franz Neerkorn avait la poliomyélite. Sa guérison est également attestée par des médecins. Le 31 août 1949, dans la salle de jeu du Traberhof, Bruno Gröning tient une conférence de presse qu'il a convoquée lui-même. Il prie les journalistes de relater les faits de façon objective et fidèle à la réalité et de cesser de publier des articles à sensation. Quelque temps après, on publie dans certains journaux une prise de position positive du ministère de Bavière à propos de l'affaire Gröning. Le ministre-président Erhard déclare qu'on ne devrait pas laisser l'action de l'exceptionnel phénomène Gröning échouer à cause de textes légaux. On considère l'œuvre de guérison de Gröning comme un acte d'amour gratuit. Entre-temps, les guérisons se poursuivent au Traberhof. Im Ort war eine Frau, die war blind. Il y avait au village une aveugle, Madame Haberland. Un homme du village voisin avait perdu la vue pendant la Première Guerre. Et ils m'ont dit de les emmener. Quand je suis entré, il me dit, je t'avais pourtant bien dit de n'amener personne. Je dis, ils m'ont tellement supplié que je ne pouvais pas dire non. Et sind die draußen im Flur, im Korridor da draußen, da war ein Ding, eine Mauer. Dans le couloir, il y avait une baie avec un rideau. Und da draußen war eine Bank, und da haben die zwei Hand da drauf gesetzt. Und dann ist tous deux étaient assis sur un banc, dehors. Puis il est sorti. Il a écarté le rideau pour regarder. Puis il est rentré, il m'a dit, la femme voit à nouveau. Mais l'homme ne voit plus, car les nerfs optiques ont été abîmés pendant la guerre. Die Frau, die sieht schon wieder, hat er gesagt. Aber der Mann, der sieht nicht mehr. Das sind die Sehnerven hin. Das ist vom Krieg irgendwie, hat er gesagt, oder was. Das sind die Sehnerven kaputt. Aber die Frau, die sieht wieder, aber die müssen da öfters kommen, hat er gesagt. Na, hat mir die Tapia reingeregt. La femme voit de nouveau, mais elle devra revenir plusieurs fois encore. Intriguée, je suis allée la trouver. Elle m'a dit « Oh, Michel,
Maintenant, je vois à nouveau. Il y a un loulou blanc qui gambade. Au Traberhof, il y avait bien un loulou blanc. Puis elle a dit, « Oui, maintenant, je vois de nouveau. Il faut que j'aille tout de suite aux toilettes. » Elle voyait, effectivement. Je suis descendu à l'auberge où se trouvaient son fils et son gendre. Je leur ai dit que leur mère voyait à nouveau. Ils en étaient très heureux. Alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Il était très fatigué. Il y avait dans la pièce un fauteuil où il était assis, complètement épuisé, exténué. Alors M. Kuhlmann s'est glissé doucement auprès de lui en disant « Pardon, M. Gröning, regardez là en bas, il y a une ambulance à deux étages. » Il a attendu un peu, puis il s'est levé lentement, et alors je suis allée près de lui. J'étais assise, éloignée de lui, à peu près comme vous de moi ici. Je me suis levée en disant « Monsieur Gröning, puis-je vous accompagner ?» Il a dit « Ce sera une grande joie pour moi, mais veuillez rester derrière moi. » Donc je suis restée tout le temps derrière lui et j'ai vu comment il s'est glissé, il n'était pas très grand, dans ce bus à deux étages rempli de grands malades. C'étaient les plus déshérités de tous et il a été si affectueux avec eux. Il s'est agenouillé et leur a parlé. Je n'oublierai jamais cet instant. On sentait son amour. Avec le temps, de nombreux médecins du territoire fédéral s'adressent à Gröning. C'est avec respect qu'ils s'adressent aux non-universitaires. Le docteur Erwin Perlek, généraliste, demande à Gröning au nom de quelques grands malades de venir faire une visite dans son cabinet. Le docteur Guido Roth, généraliste, demande de l'aide pour sa fille atteinte de poliomyélite. Le docteur Kaufmann, chirurgien, gynécologue et radiologue, voudrait consulter Gröning avec l'une de ses patientes qui lui est proche. Le docteur Josef Keifel, généraliste et homéopathe, fait une demande en bonne et due forme pour obtenir une audience chez Gröning avec deux patients. Le docteur Molenaar, généraliste, écrit « Cher monsieur Gröning, étant médecin généraliste, j'ai dans ma clientèle quelques malades que vous pourriez certainement aider et qui auraient du mal à guérir sans votre aide et continueraient à rester cloués au lit. Je vous demande si je peux vous amener ces patients ou si, le cas échéant, vous pourriez venir chez nous. » Le docteur Oscar Fett invite Gröning à visiter son institut de médecine douce, Kneipp. L'association allemande des Heilpraktiker du Schleswig-Holstein demande à Gröning de pratiquer la guérison à distance. La Ligue de médecine naturelle écrit « Cher monsieur Gröning, nous avons suivi avec attention tous les rapports faits jusqu'à présent sur vos actions et souhaitons de tout cœur que les autorités vous témoignent bientôt la compréhension que vous méritez. Et ce sont spécialement les représentants de la médecine naturelle qui peuvent témoigner du parti pris de la bureaucratie allemande depuis des années dans ce domaine. » Le docteur Zetti aussi s'adresse à Bruno Gröning. Il avait une attitude très positive, le docteur Zetti. Et Gröning est allé aussi chez lui, dans son cabinet. Le docteur Zetti allait souvent au Traberhof et il était très impressionné et absolument convaincu. Je ne peux pas dire autrement. Le docteur Zetti, médecin généraliste de Munich, avait déjà pris contact avec Gröning. Il écrit dans un article « Le phénomène Gröning m'a tellement intéressé que depuis de nombreuses semaines, j'ai passé beaucoup de jours et même beaucoup de nuits aux côtés de Gröning. Grâce au contact personnel et à la plus grande concentration, il parvient à guérir en peu de temps des malades souffrant des maux les plus graves, même des aveugles. Ou du moins, il arrive à atténuer leurs souffrances. Ça, je l'ai moi-même vécu. » Nous avions très souvent, je crois que c'était au Traberhof, des jésuites du collège qui existait encore à l'époque près de Munich. Beaucoup lui posaient des questions d'ordre religieux et s'entretenaient avec lui de problèmes liés à la religion. Cela a fait réfléchir, n'est-ce pas?
Ce sont quand même des gens érudits à 100% dans ce domaine et qui possèdent un immense savoir. Et pourtant, ils se sont énormément intéressés à lui. Sich wahnsinnig für ihn interessiert. Und dann diese Geschichte mit dem Mönch aus Assisi, nicht? Et ensuite cette histoire avec le moine d'Assise. C'était un franciscain. Il s'est présenté là, il venait de Rome, pour autant que je me souvienne, et il venait d'être ordonné prêtre, ou bien il allait l'être, je ne sais plus. Je sais seulement qu'il s'est exprimé de manière très positive. Je ne pourrais plus dire quoi en détail, ça je ne le sais plus. J'ai parlé aussi avec lui, et il était vraiment passionné par Bruno. C'était incroyable pour lui. Il s'est exprimé avec enthousiasme et a demandé à Bruno de lui donner sa bénédiction. Lui qui était prêtre. Bruno um seinen Segen gebeten. Er als Priester. Le discours du franciscain est sténographié. Il dit ceci. Je suis profondément touché par les mots de M. Gröning et je dois vous avouer qu'il me rappelle la parole de la Sainte Écriture. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ces paroles du divin Sauveur concernent chaque homme. Et ce fruit est un bon fruit. La méchanceté des hommes est immense. Ils ont persécuté le Christ et ils ont persécuté ses disciples. Ils ont aussi pourchassé les prêtres dévots. Ils persécutent tout homme qui guérit des malades au nom de Dieu. C'est pourquoi vous devez avoir du courage et confiance et suivre ce que M. Gröning vous dit. Et si des médecins et des savants qui lui sont hostiles répondent qu'il n'a pas fait d'études comme eux, cela est ridicule, car on ne prescrit pas à Dieu ce qu'il a à faire. Quand les cérémonies de guérison de Bruno ont été terminées, des prêtres catholiques et protestants ont entonné le chant catholique « Dieu très grand, nous te louons » et toute la foule présente les a accompagnés. C'était incroyablement émouvant. Depuis longtemps, le Traberhof est devenu un lieu de pèlerinage. Les gens sont très touchés par l'annonce d'innombrables guérisons que l'on attribue à Bruno Gröning et ils y puisent un nouvel espoir. Les témoignages se répandent dans toute l'Allemagne comme une traînée de poudre. Même à l'étranger, Gröning n'est plus un inconnu. Que ce soit par curiosité, par goût du sensationnel ou dans la recherche véritable d'une guérison, les gens affluent au Traberhof en foule de plus en plus nombreuse. Ce à quoi lui-même n'avait jamais aspiré, mais qui fut déclenché par les informations sensationnelles des médias, atteint son apogée. Mais ces rassemblements de masse éveillent aussi des forces contraires. Et bientôt déjà, le vent va tourner pour Bruno Gröning.